Les ménages gabonais se souviennent encore de ce logiciel Singa mis en place en 2014 par le duo SCG et Veolia pour apporter une solution moderne en matière de consommation d'eau. Dédié aux agents, le dit système consistait à produire une facturation à l'estimation, sans la présence de releveurs sur le compteur. Malheureusement, à l'épreuve des faits, ce logiciel semble avoir apporté plus de problèmes que de solutions. On parle de surfacturation subie par les populations, selon le patron de l'eau et de l'énergie au Gabon. Mais nous souffrons tous des mêmes manques. Lorsqu'il n'y a pas l'eau dans un quartier, il n'y a pas de divergence et de différence entre ce qu'on pourrait appeler la classe aisée et la classe défavorisée. Tout le monde manque d'eau en même temps. Alain-Claude Bilibizé est allé au fond des choses en apportant des précisions sur cette surfacturation. Les conséquences et bien plus encore. Il y a bien sûr dans cette facturation ce qu'on peut considérer comme surfacturation. Mais il y a aussi la sous-facturation par le même logiciel. Donc il y a des moments où c'est la SCG qui a perdu de l'argent parce que malheureusement ils ont été contraints d'agir par estimation du fait par ailleurs que dans le cadre de la crise sanitaire, un certain nombre d'actions n'ont pas pu être entreprises, notamment aller relever les compteurs. S'il y a eu de la sous-facturation, nous verrons aussi avec la SCG et les clients comment est-ce que ceux qui, dans cette sous-facturation et donc dans le dysfonctionnement du logiciel, doivent de l'argent à la SCG, comment ça va se compenser. L'État gabonais n'est pas sourd. Il n'est pas insensible non plus aux cris des populations, d'où la succession des séances de travail entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie, la SCG, les agents régulateurs et les associations de consommateurs, qui se poursuivent encore. C'est d'ailleurs au terme de l'une d'entre elles qu'un audit a été recommandé par le ministère de tutelle pour régler définitivement le problème du système de facturation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon.